Amène-toi, Nanook. Allez, mon chien. Hop. Approche. Je m'appelle Norman. Je suis né dans ces vallées sauvages des Rocheuses et je pourrai jamais vivre ailleurs. Je respire cette terre et savoure cette vie depuis plus de 50 ans. Nanook est mon complice, mon plus fidèle compagnon. Je possède une meute de 7 chiens, et Nanook en est le chef. Je l'emmène partout où je vais. Comment ça va? Approche, approche, approche. Bon chien, oui, Nanook. Comment t'as pu arriver avant moi? T'es un champion, Nanook. Bon chien, tu sais toujours où me trouver, hein? Tu veux embarquer? Hein, tu veux embarquer? Eh bien, eh bien. C'est le temps d'entrer. On va aller retrouver Nebraska et tes amis. Nebraska. Alors? C'était pas mal, mais il y a eu encore plein de coupes à blanc par là. S'ils n'arrêtent pas de faire des clairières, il n'y aura plus de forêt ici. C'est terrible. Est-ce que t'as trouvé quelque chose? Oh, j'ai trouvé des martres, mais surtout des castors. Le castor, c'est pas ce qu'il y a de plus payant? Non, je sais. Et c'est facile à piéger. Il va falloir sûrement que j'aille encore plus loin vers l'ouest, par là-bas. Et si tu trouves toujours rien? Alors je devrais m'arrêter et aller vivre en ville. Tu t'arrêteras jamais. Et tu sais, j'aurais pas vraiment le choix. Peut-être qu'il va falloir que je me trouve du travail en ville. En ville? Toi? Ouais, moi. Comment c'était ici? Oh, plutôt tranquille. Les chiens sont bien ennuyés de toi. Comme moi d'ailleurs. La prochaine fois, tu vas aller avec les chevaux? Non, je vais prendre le canot. Mais je dois d'abord le réparer. Il a été pas mal abîmé dans les rapides. Eh, salut les chiens! Ça va? Content de me voir, hein? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es ennuyé de moi, hein? Et toi, Rock, ça va? Hein? Est-ce que t'as faim? Hein? Eh oui, t'as faim, mon chien, tiens. Ouais. Et Vol, t'as faim, toi aussi? Tiens, mange. Ouais. Je partage ma vie avec Nebraska depuis 15 ans. Elle aime cette existence autant que moi. On vit tous les deux en harmonie avec la nature. On arrive à identifier chaque son, à interpréter chaque signe, chaque mouvement. Pour certains, ce coin de pays peut sembler hostile, mais je suis bien ici, parce que la vie est saine et simple, et que je peux vivre à mon rythme.
Pourtant, on va devoir quitter ce paradis. Les compagnies d'exploitation forestière envahissent de plus en plus la région. Elles abattent des centaines d'acres de forêt à la fois, sans laisser un seul arbre debout. Alors qu'il leur serait facile de procéder autrement. Elles ont déjà envahi la plupart de nos territoires de trapage et construit de nombreuses routes. Les animaux quittent la région. Et bientôt, il faudra, nous aussi, nous y résigner. Anouk, tu veux m'aider? Hein? Tu me donnes un coup de main? Hein? Il y a beaucoup de fissures, on dirait. Ouais, je crois que c'est ma faute. Je l'ai probablement laissé trop sécher. Mais je vais le réparer. Ça va aller, sûrement. J'ai décidé d'aller explorer une autre vallée. C'est devenu trop difficile de trouver des animaux à fourrure par ici. Et comme le prix des peaux n'arrête pas de baisser, j'arrive plus à joindre les deux bouts. Je veux bien aller explorer d'autres régions, mais il y a des risques. Et le temps me manque. L'automne approche et je dois trouver un nouveau territoire de trapage avant l'hiver. Sinon, je risque de pas pouvoir trapper cette saison. Allô, par ici. Viens, Nanook.
Allez, suis-moi. Viens, mon chien. Viens. Suis-moi. C'est pas mal ici, hein? Hein, Nanou? Qu'est-ce que t'en dis? Approche. Un bon chien. Oui, oui. Je crois que je viens de trouver mon nouveau territoire de trappage. On y trouve plein d'animaux. Il n'y a aucun signe de déforestation. D'ici, je devrais pouvoir me rendre à Dawson en 5 jours. C'est à Dawson que je vais de temps en temps pour vendre mes peaux et me procurer ce que je peux pas trouver dans la nature. J'ai plus de temps à perdre. Demain, je ferai un premier voyage avec les chevaux et Nebraska pour impacter le reste de nos affaires. J'aurais dû mieux choisir mon coin pour traverser la rivière, c'est certain. Mon bonheur est étroitement lié à la relation que j'ai avec mon environnement. Je fais pas qu'admirer la nature qui m'entoure. Je fais partie d'elle. Les hommes n'auraient jamais dû perdre contact avec la nature. Il faut s'impliquer dans l'environnement. Pour survivre, les hommes vont devoir vivre en harmonie avec la nature et non contre elle. Wow.
Ousma. Oui, mon beau. Encore un ou deux, et ça va être fini pour aujourd'hui. Elle a travaillé fort, pauvre bête. Ouais, très fort. Attends, je m'en occupe. On a une vue magnifique de cette fenêtre. Oui, ça va être agréable de s'asseoir ici cet hiver. Manque peut-être 9 billots pour la compléter. Après, on installera le toit. Ensuite, ben, on pourra aménager. Ce sera pas mal. À vrai dire, il faut que j'aille à Dawson acheter plein de choses pour cet hiver. J'ai mieux te savoir à l'abri que sous une tente. Je partirai plus rassuré. C'est demain que tu pars pour Dawson? Oui. Je vais emmener les chevaux là-bas avant qu'il y ait trop de neige. En tout cas, t'as pas à t'inquiéter pour les grizzlies. Je vais te laisser tous les chiens. Bon, je crois que j'ai rien oublié, là. Non, t'as oublié... ça. Ah, c'est vrai, oui. Bon, prends soin de toi, on se revoit dans une semaine environ. Ah oui? Tu vas être parti aussi longtemps? Oui. Je sais que je vais mettre 2 jours de plus que d'habitude pour me rendre à Dawson. Au revoir. J'y vais. À bientôt. Sois prudent surtout. Hein? Sois prudent. Oui. Allons-y. Tu viens, Nanook? Allez, allez!
géniale cette fille, hein, hein. Elle est géniale cette fille. C'est tes chevaux durant l'hiver. J'ai un homme appelé Denis, près d'ici. Denis, tu dis? Oui, tu sais, le français. Oh, oh, le français, bien sûr. Oui, ils seront bien traités. Ouais. Si on n'avait pas réussi à passer le col des montagnes avant la neige, alors j'aurais dû garder mes chevaux durant tout l'hiver, et on veut éviter ça, hein. Nanook. Viens, mon chien. Tu vas m'attendre ici, ok? Approche. Oui, mon chien. Bon. Maintenant, tu m'attends. Tu m'attends. Hein? Tu m'attends. Que j'ai ce qu'il faut, non. Prends bien soin de Léo, hein, Martin? Ah, tu me fais pas. T'as trouvé ce que tu voulais, Georges? Ouais, je te remercie, Kim. Un de ces jours. Ouais, j'étais certain d'en avoir quelque part. Ah, c'est le genre de truc qui guérit tout. Rhume, aux têtes, de gorge, d'oreille. Ah oui? Oui. C'est combien, ça, au juste? Bah, là, je te l'offre. Ah, c'est vraiment gentil, merci bien. Je t'envie beaucoup, tu sais, j'aurais bien aimé faire du trapage, moi. Bon, voyons si je peux te trouver des vitres pour tes fenêtres. Cinq et demi, et voilà. Dis donc, t'habites toujours au même endroit, Norm? Non, les bûcherons devraient bientôt arriver. Ils coupent tous les arbres. Ouais. Et alors, où tu vas habiter? J'ai traversé le col de la montagne et je me suis installé près du lac. Ah oui, c'est un joli coin de pays. Oui. Ok, et attention. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de nulle part. C'était trop glissant, j'ai pas pu l'éviter. Je suis vraiment désolé, non. On va voir ce qu'on peut faire. Au magasin, mais on n'a rien pu faire pour lui, il était déjà trop tard. Ouais, vaut mieux tout charger au plus vite, pas vrai, Norm? Les nuages sont vraiment très présents, regarde. Et on pourra plus traverser le col de la montagne bientôt. Voilà justement Kim avec mes vitres. Il n'y a plus rien d'autre, je crois.
Bonjour. Bonjour, je t'apporte tes vitres. C'est parfait. Je les ai bien empaquetées. Ah, génial. Ça va les protéger. Et je t'apporte autre chose. Ah oui? Elle a 10 mois et adore courir. C'est la fille de Duty. T'as sûrement entendu parler d'elle. Non. Elle a gagné la course Edith Arod une année. Mais j'ai pas besoin d'un chien de course. Allez, viens. On dirait qu'elle a peur. Oh, elle est un peu timide. Elle te connaît pas encore. Vous allez vous habituer l'un à l'autre. Allez, vas-y. N'aie pas peur. Vas-y. Vous allez former une très bonne équipe quand vous vous connaîtrez mieux. Ah, vas-y. Allez. Allez, petite. Va avec nous. Approche. Allez. Bon chien. Allez, viens. Oh, ça y est. Tâche de passer un bon hiver. Oui, je l'espère bien. Alors, Norm, qu'est-ce que t'en dis? On parle de quoi? Bah, du chien. Oh, j'en sais rien. Il me faudrait un chien plus lourd que ça. J'ai besoin qu'il tire un traîneau, pas qu'il fasse la course. Mais Kim a été si gentil que j'ai pas osé refuser le chien qu'il m'offrait. J'ignore ce que je vais pouvoir en faire. Je peux même pas l'attacher avec les autres. C'est seulement parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être avec une meute de chiens. Au fait, quel chien tu vas amener chasser avec toi? Eh bien, pas elle, ça c'est sûr. Tu veux pas amener un autre chien? Lequel? Je sais pas, Volk. Je l'ai pas entraîné pour la chasse. Ah, j'irai tout seul. Tu vas où? Quelque part où il n'y a pas de neige. C'est là qu'il y a de l'orignal. Je dois chasser ou trapper. C'est mon gagne-pain. Mais c'est encore plus que ça. Je crois qu'aucune espèce n'est forcément une menace pour la nature. Je suis convaincu que l'homme a un rôle à jouer. Il aide à maintenir l'équilibre de l'écosystème, comme on dit, pourvu qu'il prenne uniquement ce qu'il lui faut pour sa subsistance, comme les animaux. Se servir sans nuire. C'est ça la devise du trappeur. Thank you.
retrouver maintenant. Allez, retrouve-le. Sans les pistes. Allez. 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 Ouais. Quand je tue un animal, je lui dis pourquoi. Je lui explique ce que je vais faire avec sa peau et sa chair. Je lui demande pas de me pardonner. Non, je le remercie plutôt, comme les Nazcapi m'ont appris à le faire. Bonjour, Norm. Salut. Alors, t'en as trouvé un ? Ouais. Mais il a fallu que j'aille jusque dans les marais. Il n'y a même pas encore neigé là-bas. Écoute, je sais pas comment te le dire, mais... plutôt aujourd'hui, Apache s'est échappé. Ouais, elle est venue vers moi. Elle m'a trouvé un bien mauvais moment aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, peu importe. J'ai réussi à dépecer la bête. Je l'ai emballée dans la bâche, mise dans la cache. Il doit y avoir 250 kilos de viande. Ça devrait nous suffire, aux chiens et à nous, jusqu'en janvier. À ce moment-là, les caribous vont se déplacer. Mm-hmm. J'irai les chasser sur le haut plateau. Et je retournerai chercher la viande en traîneau quand la neige sera tombée. Eh ben, si tu veux, je pourrais toujours aller la chercher, moi. J'irai en traîneau. J'aimerais bien faire courir Apache. Je veux bien. Moi, j'irai dans le territoire de trapage. J'ai déjà assez perdu de temps à attendre l'hiver. Regarde, tout est enneigé là-bas. Allez, Nabucco, viens, Minik. Où est-elle ? Apache ? Apache ! Ça va, ça va. Approche, je te présente Volk. Voici Apache. Chut, non, 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 non. Chut. Chut. Bon chien. Tu veux bien retenir Volk un moment ? J'aimerais faire courir Apache avec l'attelage pour voir comment il se comporte. Ça marchera pas. Non, ça va aller. Ok, vous y êtes ? En avant ! Ok, une petite minute. Je t'ai dit que ça marcherait pas. Tu vas seulement arriver à perdre ta journée. Oh, ça fait rien. J'ai que ça à faire. Mais pas moi. Alors vas-y sans moi. D'accord. Oh, tu veux courir, toi ? Tu veux courir, c'est sûr. Faudra s'occuper d'Apache. Thank you.
le chien. Oh oui. Bon chien. Et toi aussi, mon Volk. Oui, Apache. Bon chien. Bon chien. Oh. Bon chien. Tu t'es familiarisé avec le reste de l'équipe? C'est bien. Oh, toi aussi, mon Volko. T'es un bon chien. La saison commence enfin. J'ignore quel gibier je vais trouver dans mon nouveau territoire de trappage. Je dois apprendre à connaître la région. Il faut que j'entre en relation avec elle et avec chacun de ses éléments. Ce nouveau territoire doit devenir mon allié. Et ce premier trappage va me permettre d'établir un premier contact. Poser des pièges demande du temps, de la patience et de la concentration. Avance, Volk. Ah. Allez. Volk. Wow. Wow. Comment elle est? Qui ça? Mais Apache. Apache. Elle fait que suivre à côté de Volk. En fait, je suis sûr que si elle n'était pas là, ce serait du pareil au même. Oh, voyons, faut lui laisser un peu de temps, elle va apprendre. Je doute que le temps puisse vraiment changer quelque chose. Tu vas apprendre, hein? Tu vas apprendre, oui. Hein, Volk, elle va apprendre. L'ennui avec le Grand Nord aujourd'hui, c'est que les populations d'animaux diminuent, parce qu'il y a de moins en moins de trappeurs. Ça peut sembler contradictoire, mais sans nous, la faune ne se porterait pas aussi bien. Les trappeurs contribuent au contrôle des populations en tuant de petits nombres d'animaux. Ils éliminent ainsi les éléments les plus faibles et empêchent certaines espèces de se multiplier aux dépens d'autres espèces. Donc, ça contribue à l'accroissement. Je suis un des derniers trappeurs de cette région. Et je me sens un peu comme le gardien de ce territoire. Mais j'ignore combien de temps je vais pouvoir continuer. Pourtant, Dieu sait à quel point j'aime cette vie. Tiens, tu le veux? Quoi? Toi, t'en veux pas? Hein? Peut-être que je devrais m'en garder un peu. Qu'est-ce que t'en dis? Hein?
crois qu'avec ce froid, je vais pouvoir traverser le lac demain et explorer la région. Si tôt que ça? Ouais. Il fait 40 sous zéro. Ça va descendre encore. Et ça va être gelé partout. Hmm. Tu vas prendre le raccourci à travers le canyon ou tu vas aller tout droit? Non, non, je vais passer par le canyon. À cette époque de l'année, si les chiens arrivent à faire quelques kilomètres par jour, ce sera déjà bien. Mais je pourrais peut-être ouvrir la voie avec Alex. Ce serait bien, puisque ça me permettrait de lui rendre visite. Il y a bien longtemps que je l'ai vu. Tout seul là-haut, je me demande comment il se débrouille. Est-ce que tu vas y aller avec Apache? Oh, je pourrais, mais je doute qu'elle m'aidera. Tu devrais quand même y aller avec elle. Ce serait bon qu'elle court avec le reste de l'attelage. Qui va être ton nouveau chef de meute? Je vais entraîner Volk. Je sais qu'il est trop vieux. Il ne sera jamais aussi doué que Nanook, c'est bien évident. Non, il a presque 12 ans. Mais, comme c'est probablement notre dernière année... Parle-en à Alex quand tu le verras, ce serait une bonne idée. Oui, je passerai le voir après avoir exploré le territoire. Ah, quoi encore? Ah, elle a une écorchure sur une patte. Alors je lui mets cette bottine pour la protéger. On n'avait pas besoin d'un chien de course. Elle va bien s'en tirer. Écoute, on n'aura pas encore descendu la pente qu'elle aura sans doute déjà perdue. C'est idiot. Ça se passera bien. Bon, vas-y, mets-lui sa bottine alors, mais... ça changera rien pour moi. On a plein d'autres chiens, tu sais. Et tu t'en fais trop pour elle. Allez, maintenant il faut que j'y aille. Whoa! Whoa!
Bon chien, approche. Ok, allez. Allez. Réchauffe-moi les mains. T'es revenu, tu m'as sauvé la vie. Ah, t'es un bon chien. Oui, t'es revenu vers moi. Je n'oublierai jamais. La circulation vient dans mes doigts. Faut que je fasse un feu avant qu'il se remette à geler. Allez, la poche! Bon chien, bon chien! Avance, Volk! Oui, allez, allez, la poche! Avance, la poche! Avance! Très bien! Allez, la poche! Oui, vas-y, ma belle, vas-y! Ha ha ha!
attention à ton museau. Attention, ma belle. Hein? Il est très aiguisé, ce couteau. Tu vas te couper le museau. Oui. Oui. On dirait qu'Apache t'est tombé dans l'œil, hein? Tu l'aimes bien. T'as raison, Volk. Elle est pas mal du tout, hein? C'est une belle fille, hein? Ouais. Oui. Non, non, Volk. Tu restes. Volk? Non. Non, Poussy. Nabucco, non. Non. Non, Minik, non. Allez. Oui, Apache, oui. Bon chien. Suivre Volk. Oui, il va falloir suivre Volk. Tu dois aller là-bas. Je sais que t'as pas souvent marché sur la glace, mais fais confiance à Volk. Tu dois aller là-bas. Oui, il faut qu'on aille par là, ok? Faut passer par là. Il le faut. Tu vas apprendre. Mais tu dois suivre Volk. Je sais qu'il peut y avoir de l'eau, mais ce sera pas dangereux cette fois. Tu vas apprendre. Très bien. En avant! Très bien, mon chien. Eh bien, doucement. Eh bien, Apache. Très bien, mon chien. Bon chien, oui. Et toi, Apache, t'es un bon chien, tu sais. Hmm. Tu vas devenir un bon chef de meute, c'est sûr. Hmm? Oui. Et écoute, Apache, hein. Tu sais ce que je crois? Je crois que Volk est amoureux de toi. Hmm? Hein, Volk, à vous. Thank you.
m'entends? Alex, tu m'entends? À toi! Alex? Alex, tu m'entends? Allô? Mais qui c'est? Répondez! C'est moi, Norm! Norman! Oh, c'est toi, Norman! Oui, je t'entends maintenant 10 sur 10. Comment ça va chez vous, hein, Norm? Bien, très bien. Et toi? Ça va très bien. Tu sais, je me sens toujours un peu seul, c'est tout. Et si j'allais te rendre visite dans quelques jours? Oh, ce serait parfait, Norm. Très bien, alors je vais t'attendre. C'est parfait, alors. On se voit dans quelques jours. Terminé. La dernière fois que t'es allé, t'as dit que c'était trop loin et trop dangereux pour y retourner à cette époque de l'année. Oui, mais avec le froid qu'on a eu, ça devrait assez bien se passer. La glace doit être très dure. Ça devrait être bon pour voyager. Tu vas lui en parler, alors? Lui parler de quoi? Lui parler de la retraite. C'est pas ce que je veux. T'as bien compris? Oui, oui, je lui en parlerai. Très bien, alors. Tu me passes la carte, s'il te plaît? Ah!
T'as encore mal à la patte? Laisse-moi regarder. Ah, ah, elle sera bientôt guérie. Oui, elle va beaucoup mieux. Brave fille, Apache. Très bien, allons-y. Allez, avancez. Avancez. Il y a plusieurs années, Alex a perdu les 10 chiens de son attelage pour s'être trop éloigné d'eux durant la nuit. Les loups détestent les chiens, et s'il n'y a personne pour les protéger, les loups les tuent en un rien de temps. Cette histoire m'a servi de leçon. Je ne laisse jamais plus mes chiens tout seuls. Les loups ne s'attaquent pas aux humains, quoi qu'on puisse raconter dans les livres. Les autochtones prétendent que la lumière boréale brille encore plus quand on siffle. J'ai l'impression que les loups hurlent encore plus quand le ciel est rempli de toutes ces couleurs. Ça doit les inspirer. Salut, Norm! Et attention! Oh. Ça va, toi? Oui, oui! Tu vas bien, j'espère. Ravi de te voir. Ton voyage, c'était comment? Oh, ça aurait été plus dur si j'avais pas eu ce chef de meute. Il entraîne même la jeune femelle qui est à côté de lui, tu vois? Bon, allez, entre. Je nous ai préparé un bon thé. Ah, ça, c'est une excellente idée. De la visite, et... Alors, je te ferai encore un peu de thé, Norm. Oui, d'accord. Voilà. Tu sais, les chiens qui sont dehors, ils m'ont sûrement sauvé la vie plus d'une fois. Ça t'inquiète pas de rester seul ici, sans chien, juste avec une motoneige? Eh bien... Je dois avouer que je suis plus
très doué avec les meutes de chiens. Tout ça pour dire que soit je me contente de la motoneige, ou alors je vais devoir me retirer. Ouais, c'est comme ça. Ainsi va la vie, tu sais. On vieillit et voilà qu'on contrôle plus l'attelage. Et en fin de compte, on sait plus les maîtriser, ces chiens. C'est ça qui arrive quand on vieillit. C'est comme toi, tu sais. Tu étais un sacré trappeur. Je me rappelle, quand tu venais à Dawson, tu arrivais toujours chargé de belles fourrures. Quand on fait de la prospection du trappage, c'est pas tellement de trouver qui est important, c'est de chercher. La vie au grand air, voilà ce qui nous plaît. Ouais. C'est pour ça que toi et moi, on va trapper tous les hivers. Oui. J'ignore quoi faire. Et je me dis qu'il faudra arrêter. Parce que c'est devenu trop dur avec cette nouvelle législation. Et tous ces territoires de trappage qu'ils réclament pour raser les forêts. Et certaines espèces animales vont pouvoir s'accroître, c'est sûr. Mais il y en a d'autres qui vont disparaître. S'il n'y a plus personne pour contrôler tout ça. Oui, c'est pour ça qu'on doit rester. Si on s'en va, alors qui va veiller sur ce territoire, hein? Non, j'aime bien que tu viennes me voir, je suis toujours content. Oui, tu vois, je me disais que pour le retour, j'allais traverser le ravin. Ce sera plus court. Même avec une nouvelle machine, je ne m'y aventurerai pas. Oui, mais les chiens peuvent toujours aller là où les motoneiges ne passent jamais. Oui, c'est vrai, je sais. Cette motoneige est de piètre compagnie aussi. C'est pas du tout comme avoir des chiens, c'est sûr. Non. Ah, la seule compagnie que j'ai, la voilà, c'est cet oiseau-là. Prudence, hein, homme, c'est très dangereux. Je t'assure, c'est très dangereux. La prochaine fois que tu iras à Dawson, viens voir ma nouvelle maison. Ça me ferait plaisir. J'aurais dû écouter Alex, hein? Moi, j'aurais dû l'écouter. Il a toujours raison, Alex. Il m'avait prévenu que ce serait dangereux, mais j'ai pas voulu le croire. Ah. Qu'est-ce que tu fabriques? Voyons, mon chien. On a déjà tellement d'ennuis, tu veux te bagarrer aussi? Alors, sois sage.
Dites donc, vous deux, c'est le grand confort. Je suis crevé aussi. Parle-moi d'Alex. Quand tu l'as vu, il allait bien? Oui, tu le connais, il est toujours le même. Comment s'est comporté l'attelage? Bien. Tu sais qu'Apache est totalement amoureuse de Volk. Je croyais qu'il y en avait quatre. Non, c'est tout ce qu'il y a. C'est bien, c'est pas mal du tout. Mais je doute que tout ça vaille $5,000. Mais il y en a qui prétendent que le prix des fourrures va remonter. On nous répète ça depuis 5 ans, mais on le sait ça, non? Rien n'a bougé. Thank you.
Ah, t'as toujours pas perdu la main, hein, Alex. Regarde-moi ça. Mm. Hein? C'est toute une prise. Ouais. Quand le printemps approche, j'utilise du lard. Ça semble fonctionner mieux que la viande. Ben, il faudra que je l'essaie. Oui. Ça marche. Tiens, Mock, c'est pour toi. Et toi, Rox, t'en veux un peu? Ouais. Non, t'en fais pas. Il s'arrêtera pas de trapper, Nebraska. Écoute, j'en avais jamais parlé, mais je lègue mon territoire de trappage à Norman. Et il y en a pas de meilleur. C'est un peu comme mon fils, tu comprends. Ça lui revient. Je commence à me faire un peu vieux pour continuer à trapper. Et non, lui, il s'en occupera. Oui, mais après? Après? Après, ce sera terminé. Cette vaste zone nordique va se transformer en désert. C'est la nature qui sera la grande perdante. Ouais. Parce que l'homme est indispensable à la nature, ouais. Il est responsable de son équilibre, tu sais. Je crois que ce sera rapide comme expédition. Parce que je vais passer par le col de la montagne. Alex l'a emprunté il y a quelques jours. Je vais le franchir par l'autre côté. Bon. Je crois que je devrais me mettre en route. T'as tout ce qu'il te faut ? Oui, je crois que j'ai tout. Ok. Au revoir. Au revoir. Je serai de retour bientôt. D'accord. En avant ! Et bonne route. Oui. Pas de saoulerie à Dawson. En avant ! C'est bien, Apache. Hein? Ça, c'est un chef de meute. Pas vrai, Volk? Ok, Volk, ok. Ok, Volk. Ok. Thank you.
Bonjour. Don n'est pas là? Non, Don est à Vancouver pour la semaine. J'ai un sac plein de fourrure, tu veux les voir? Ouais, montre-les-moi. Dis donc, c'est le monde à l'envers, un homme blanc qui vend ses fourrures à un indien. Ouais, ben tu sais, de nos jours. Regarde cette peau de lynx, pas mal, hein? Ouais. Mm-hmm. Ouais, c'est une belle couleur, ça. C'est une belle grande peau. Le prix de la fourrure a augmenté. Ouais, mais ce sera jamais suffisant, ça c'est sûr. Tu sais que c'est Don qui fixe les prix, et moi, je rédige les reçus. Hein. Et dire que j'avais bon espoir de jouer au yo-yo un peu, de marchander, quoi. J'ai entendu dire qu'Alex est allé te voir. Ah oui, oui, il est venu, c'est bien vrai. Il m'a rendu visite il n'y a pas longtemps, on est allé à la pêche. Ah ouais? Il est resté longtemps? Oh, quelques jours. Ah bon? Alex est un excellent trappeur, hein, depuis 60 ans qu'il vit dans le pays. Il connaît plus de choses que n'importe qui d'autre. Ouais. C'est un bon gars, Alex. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est excellent, mais faut pas s'arrêter là. Faut continuer à travailler, bien sûr. Norm. Oh, salut. Alors, ça va? Oui, tu vas bien? Oui, très bien. J'ai trouvé du travail. Tant mieux. Norman. Hey, bonjour. Content de te voir. Oui, moi aussi. La saison est bonne? Ah, pas mal. C'est un peu trop chaud. Ça a raccourci, mais t'as l'air en très grande forme. Et ton nouveau chien, alors? Au début, c'était pas très très fort, mais j'ai fini par la mettre avec le vieux chef de meute et elle apprend rapidement. Bien. C'est pas un mauvais chien, alors? Non, pas du tout. Elle va finir par s'en tirer. Je crois qu'elle sera même très bien. Ah, je suis bien content, alors. Moi aussi. Et tu l'as appelé comment, ce chien? Apache. Pourquoi Apache? Oh, j'en sais rien. Je devais lui trouver un nom, pourquoi pas Apache? Oui, et la saison a été bonne? Oui, pas trop mal. J'en ai eu environ 150. Des martres? Oui. J'ai eu également des lynx et au moins 2 ou 3 loups. Et puis d'autres trucs, mais les martres, c'est ce qui est rentable. Oui, mais est-ce que les prix sont assez hauts? On m'a dit que ça valait un peu plus cette année, mais je crois pas qu'on aura une bonne moyenne, encore une fois, cette année. Énorme. Tu connais les prix à quelques dollars près, de toute façon. Oui, mais comme je le disais, je dois savoir au juste combien je vais obtenir pour mes fourrures pour arriver. Je reviens pas au printemps, ce sera réglé. Ah ouais? Mais... Alors, tu veux qu'on aille à ta recherche? Non. Non, tu veux qu'on aille sans paix? Partez à la recherche de Nebraska et mes chiens. Ah ouais? Alors, on va faire mais ça. Mais pas de la mienne. Pas de la tienne? Non. 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 Pourquoi? Oh, c'est parce que je serai belle et bien mort. Ah. Et la mort, tu veux que je te dise ce que c'est? Ouais. C'est rien d'autre que la continuation de la vie. Ouais, pour chaque homme qui meurt, il y a 5 animaux qui vont vivre. Ouais. Et je suis un animal. Alors, on coupe tout ça? Oui, sauf la moustache. C'est le moment de la tonte. Les animaux perdent leur poil au printemps, nous on doit payer pour qu'on nous les enlève. Par ici.
Non. Non, si tu voulais chasser encore seulement une saison, pourquoi t'as mis autant d'efforts à nous bâtir cette maison? J'en sais rien.